Bonjour à tous et à toutes, donc nous voici pour une toute nouvelle vidéo sur Star Stable Online. Alors, il y a une petite mise à jour, comme quoi en fait on peut avoir donc le nouveau cheval. Donc là c'est le H&M All-In. Voilà, si je me souviens bien, il y a d'autres couleurs qui vont arriver de toute façon. Mais voilà, il est très 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 beau. Ils disent voilà que c'est une légende vivante et que c'est l'un des meilleurs chevaux de tous les temps. Mais bon, moi personnellement je ne vais pas l'acheter, mais pour ceux qui sont intéressés, voilà. Donc, malheureusement il est que en une couleur si j'ai bien... Ouais voilà, si j'avais bien compris. Pour l'instant il est que d'une couleur. En plus on le voit ici, monté par une personne. Voilà, par Zuri. Oui, pendant que j'y pense aussi, il y a un code. Donc c'est... Alors, je vais vous le dire en français, hein, parce que je suppose que ça va être en anglais. C'est Aline, A2LIN 2022. Je vais vous le noter dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc, ça vous permettra d'avoir une veste gratuite. Surtout aussi, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Surtout aussi, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Facebook, le Twitter et bien évidemment le Twitch. Surtout qu'en ce moment, sur Twitch, je fais pas mal d'overcook avec des amis. Des crises de fou rire, des fois on se prend la tête, mais en général, on se marre quand même bien. Moi, c'est Zuri et j'adore la vitesse. Tu viens participer au Grand Prix HM ? Bien évidemment. Une minute, tu n'as jamais entendu parler du Grand Prix HM ? C'est un événement de saut d'obstacles prestigieux qui a généralement lieu pendant la saison internationale du cheval de Suède, qui se tient tous les ans. Cette année, il a été étendu à notre petite île de Jörvik. En plus de pouvoir participer à deux parcours de saut d'obstacles du Grand Prix, tu as de la chance de côtoyer la royauté équestre. Tu as vu qui nous honore de sa présence aujourd'hui ? Le fameux H&M All-In. Le meilleur cheval de Peter ? C'est pas plutôt Peter ? Non, c'est Peter. J'ai bugué sur le coup. Fredriksson, pardon, je vais y arriver. C'est la première fois que je le lis, alors mon cerveau il est... Ouh. Là c'est donc Peter Fred... Ah, je vais pas y arriver. Fredriksson, voilà. Il sera présent aussi longtemps que moi et tu pourras le retrouver à Fort Pinta, même après mon départ. Ça a toujours été mon rêve d'être pilote de Grand Prix. Arrivé en trombe, devant une foule en délire, les cheveux au vent dans un nuage de poussière, c'est tellement magique. Essaye, tu verras. Viens me voir quand tu seras prête à participer au Grand Prix. Et bah c'est parti. Alors oui, on peut participer au Grand Prix 2020 et au Grand Prix 2022. Ce parcours te dit peut-être quelque chose si tu es à Jörvik depuis longtemps. C'est un ancien parcours, mais c'est un véritable classique. Moins de surprises, mais toujours autant de fun. Et ben, on va tester. Ah oui, ça fait bizarre. Allez, je me prends déjà une barre. Allez, hop, ça commence. Des glaces. Armoyer des glaces. Hop là. Alors faut tourner par là. Alors je connais pas du tout le parcours. Ouais, je me suis étonnée. Vu que c'est des grandes barres, je suis obligée de sauter vraiment la dernière minute et... Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, c'est vraiment le parcours de professionnel qu'on peut avoir pour un championnat avec toutes les grandes stars. Hein. Là, il n'y a pas de soucis. Est-ce que... Oui, ça fonctionne alors que j'étais vraiment sur le côté, quoi. Passer derrière. Je connais pas du tout le circuit, hein, donc là, j'apprends. Je fais des erreurs, je suis vraiment désolée. Je suis pas douée. Oh, ça va, j'ai une bonne note. Enfin, pour une première fois. Ce que je vois, il y a quand même pas mal de monde qui a acheté l'HLM. Moi, ça me fait penser plus aux marques de fringues. Chut, faut pas le dire. T'as assuré, reviens quand tu veux pour retenter la course. Eh ben, on va la refaire tout de suite, la 2020. Et la 2022, on va se la garder pour après. Alors, attendez, il y avait des cerveaux. Hop.
Je crois que j'ai fait une barre, mais ce qui fait que ça n'a pas raté mon cheval. Ça, c'est cool. Donc, si je me souviens bien, voilà. Hop, il faut aller par là. Sans vraiment trop décélérer. Faut que j'essaye d'être à fond. Par contre, ça part... là, je vais devoir décélérer quand même un peu, parce que sinon, je me prends... J'ai trop tourné vite. Ok. Bonjour, cheval qui vole. Enfin, plutôt qui est sur une barre pour moi. Voilà, j'aurais peut-être pas dû décélérer. Ici. Ouais, non, j'ai par contre sauté trop tard. C'est pas grave, ça a fait que mon cheval il s'est quand même pas pris le malus de décélération. Hop. Dernier. J'en ai fait des barres, hein, parce que j'ai entendu que mon cheval s'est pris les pieds dedans. Mais bon, personnellement, les records, c'est pas ce que je cherche le plus. Ouais, non, alors première place, non, pas vraiment. C'est parti pour le Grand Prix HM, prête à vivre le frisson d'une course de Grand Prix que le meilleur cheval gagne. Bon, après, c'est un infinger, hein, c'est pas fait non plus pour sauter des hauteurs... C'est plus un cheval pour faire de la randonnée et dans la balade. Quoi qu'après, il peut être très bon aussi en dressage. Hein. Et bien évidemment, faire de l'attelage. On essaye. Oui, on réussit. Très joli avec les petits arcs-en-ciel là. Ouais. Je suis désolée, des professionnels, ils les prennent à la... sur le côté. Ah non, c'est trop tôt. Trop tôt. Ils les prennent sur le côté et... J'étais partie pour aller de l'autre côté, je me suis fait avoir. Et qu'ils les prennent sur le côté pour aller plus vite. Et je trouve ça complètement hallucinant, en fait, comment ils arrivent à prendre des obstacles et que le cheval, il arrive à se redresser derrière. C'est... Waouh. Je trouve que les personnes, quand même, elles ont de l'entraînement. Et puis leurs chevaux aussi, ils tiennent bien. C'est... Comme on dit, c'est un couple cavalier-cheval. Il faut qu'ils se connaissent tous les deux. Et voilà quoi, après il faut tenir. Nous avons une gagnante. Bravo, vous avez assuré, Marble Demon et toi. Reviens quand tu veux. Et ben on va la refaire tout de suite. Et oui, je suis partie pour refaire la course. Cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Enfin, j'espère. Allez, go. Toc, sans décélérer, là il n'y a pas besoin. Là, toc. Là, ils ont donné assez pour... Voilà. Toc, ça par contre. Hop. Hop là. Ça sautait en travers comme on avait fait. Hop. Là, je vais pas me faire avoir. Ça va déjà un peu mieux, hein. Je trouve que celle-là quand même elle est mieux à faire que la 2020. Elle est beaucoup plus simple que la 2020. Hein. En tout cas, moi, vous avez vu là. J'ai presque pas décéléré. Enfin si juste une petite fois parce que j'étais pas sûre de moi, mais je suis sûre qu'en plus j'aurais réussi. Hop, allez. Et bah donc ce prix-là, on pourra le retrouver. Enfin, on va aller à Fort Pinta, elle m'a dit que. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de tousser. Elle a dit qu'on pouvait après le revoir à Fort Pinta, j'irai voir après. Justine, Starshine et moi allons voir Herman. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je croyais que c'était pour la course, mais non. C'est vrai que c'est pour la suite d'autres missions qu'on verra plus tard. Alors, on va aller à Fort Pinta tout de suite. Est-ce qu'on peut lui parler maintenant ou est-ce que c'est vraiment plus tard quand ils vont décaler en fait la compétition. C'était juste pour voir s'ils ont déjà mis la personne. Et Fort Pinta. Donc oui, après la prochaine mise à jour, c'est de la supposition, mais je pense très grandement. Qu'on sera pour Noël. Ça passe vite quand même, hein, les années.
Ouais, non, je pense que... Ouais, ça sera vraiment que quand elle sera plus là. Je pense que notre amie se déplacera par ici. Alors oui, aussi pour savoir... Il y a une quête pour ceux, si je me trompe pas, qui ont le Quaterhorse. Là, voilà, j'étais pas loin. Le ranch, pardon, Starshine. Si je me souviens bien, cette fois-ci, c'est une compétition. Alors, je sais pas si elle est permise pour tout le monde, mais je crois qu'elle est surtout pour les Quaterhorse. Oui, c'est ça, je crois que c'est pour les Quaterhorse. Salut, je m'appelle Guillemot Gadea, je suis un des fondateurs. Voilà, il dit spécifique et tout ça. Et c'est pas la première fois qu'il est là. Hein, et en général, il fait pour une race en particulier, voire deux. Et là, en fait, voilà, il en a mis trois. Parce qu'en fait, vu qu'il y a les trois chevaux de type américain, donc le Curly, le Quarter Horse et le Paint Horse américain, donc je peux le faire avec. Mon cheval d'Halloween qui est un paint horse américain. Si tu veux participer à la compétition, viens seulement me parler ou trouve une amie pour commencer une course en t'inscrivant sur le tableau d'affichage à côté de moi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure et je vais revenir avec mon petit cheval paint horse. Et paf, la magie du montage. Ça c'est cool. Si je me trompe pas... Alors je retrouve le petit bouton. Magique. Voilà, vu qu'on n'est plus Halloween, hein, on va le transformer en mode Paint Horse, tout à fait normal. Et on va pouvoir aller faire la petite course. J'espère te voir faire la course très bientôt. Tu peux participer à cette course avec... voilà, et c'est parti. Alors, donc là, c'est pas du saut d'obstacle, ça va être en fait un concours de parcours comme ils font. En Amérique, comme ils aiment bien avec les chevaux de travail. Alors d'habitude, en fait, il faudrait ouvrir la porte et la refermer, etc. Hop, petit saut d'obstacle quand même. Voilà, de passer sur des ponts, des bâches, faire des tours de tonneau, ouvrir, comment dire, une... ouvrir, comment dire, une barrière et la refermer. Enfin bref, c'est toute une adresse en fait qu'on demande aux chevaux et aux cavaliers. C'est pour ça qu'en général, les chevaux bien dressés, en fait, ils écoutent au doigt et à l'œil. Et certains ont tellement dressé leurs chevaux que des fois, on fait à peine une petite pression que ça y est, le cheval, il part déjà. Et en fait, ils ont fait un petit peu la même chose, mais on appelle ça du pony game. Bon, il y a certaines choses qui ont été quand même modifiées, on n'ouvre pas des portes au pony game, mais c'est à peu près la même chose, je trouve. Après, là, on fait un peu de saut d'obstacle parce que bah, malheureusement, on peut pas ouvrir et fermer des portes. Enfin, pardon. Voilà, quoi. Ils font comme ils peuvent. Hein. Peut-être que dans un futur, on va pouvoir faire comme si on faisait... comment dire, des épreuves américaines. J'adorais voir ton cheval en action, n'hésite pas à revenir quand tu veux, mais n'oublie pas que cette course ne sera pas là éternellement. Donc voilà, en fait, on pourra la refaire une fois par jour. Donc voilà, moi je la refais pour faire pixer mon petit dadou et surtout faire un petit peu d'argent, même si ça en fait pas des masses. Mais c'est sympathique. Ah oui, et puis aussi il y a passer sur des barres sans les faire tomber. Pour savoir l'adresse des chevaux, s'ils lèvent bien leur petite patoune. Ah, je croyais que j'étais dans le mauvais sens, mais non, c'est bon. Hop, toc. Voilà. Ah, c'était de l'autre côté. Je me suis fait avoir. C'est vrai, c'est pas grave. Et en fait voilà le paint horse et tout ça, ça devrait être un cheval en fait qui tourne beaucoup mieux que ça. Je trouve dans ce jeu. Oh, j'ai en train de regarder un autre truc et je fais des bêtises. Allez, doucement. Mais c'est déjà des chevaux qui tournent vachement bien par rapport à certaines races dans le jeu, hein. J'ai pas l'inverse. Ils l'ont quand même bien fait pour ça. Et je l'ai loupé, mais c'est pas grave, voilà, on va le sauter. Comme un professionnel de saut d'obstacle, on va le sauter sur le côté. Et oui, en plus, les chevaux de western, quand on s'arrête, voilà, font le slide, ce qui est extrêmement bien et
Et ça, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai fait. Hein. J'ai déjà monté en western avec des vrais chevaux, des quarter horse. Sur une selle, hein, western et tout. Enfin bref, vraiment comme si on montait en Amérique. Et j'ai vraiment fait de l'équitation western. Et en fait, ça, bon, il faut pas le faire non plus trop, mais le slide là, comme on fait avec le cheval, ça peut leur faire mal en fait à force au postérieur. Hein. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ils forcent, donc ça leur fait un peu mal. Et à terme, en fait, ça va leur faire du tort. Donc c'est pour ça en fait qu'ils le font pas trop non plus, hein, juste assez pour que le cheval en fait il comprenne comment faire un slide. Et il y a des fers exprès pour les aider en fait à glisser pour pas qu'ils forcent de trop aussi. Hein. Ce sont des fers qui sont beaucoup plus longs au niveau de l'éponge. Si vous voyez un petit peu, j'ai l'éponge. Bref, vous verrez par vous-même. Et en fait, qui leur permet en fait de glisser, donc de moins forcer en fait sur leur postérieur, pardon. Donc voilà, j'en ai fait. Hein. En fait, on commence à se positionner en arrière parce que le cheval, en fait, il sent très bien la position du cavalier sur son dos, hein, s'il est en avant, en arrière. Et en fait, quand on va commencer à se mettre en arrière et qu'on tire un peu sur les rênes et qu'on va faire un wow, et ben en fait, le cheval il s'arrête direct et c'est trop cool en fait. Juste ça à dire, c'est une sensation trop cool à avoir. Donc l'équitation classique, ok d'accord, je peux pas passer, mon cheval était trop gros, c'est ça. L'équitation classique comme l'équitation western, de toute façon, sont cool les deux, hein. J'ai rien à dire, j'aime beaucoup les deux. Mais c'est vrai que si vous connaissez pas l'équitation western, allez en faire un petit peu, vous allez voir, c'est très cool, j'aime beaucoup. Et bah excusez-moi d'avoir un petit peu discuté sur tout ça. Et bah je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, je suppose soit pour un autre petit événement ou pour Noël. Et j'espère que tout le monde est en bonne santé pour commencer à faire ces petites fêtes. Et moi je vous fais de gros bisous. Allez, ciao bye!